À mon tentera. Oui. Monsieur Hit Ahmed, le 1er novembre 1954, vous annoncez votre but, l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain. Or, il y a toujours eu en Algérie des colonisations, qu'elles soient romaines, turques, arabes ou françaises. Et nous aurions beau jeu de citer aussi ici la citation, la fameuse citation de Ferhat Abbas, « J'ai beau scruter, interroger les cimetières algériens, nulle part je ne trouve trace de la nation algérienne. » Écoutez, si on devait prospecter le champ historique de chaque nation, développée ou en voie de développement, eh bien, il serait difficile de ne pas contester à chaque peuple de libérer sa propre nation. Ce qui est un fait, c'est que le peuple algérien n'a jamais renoncé à son patriotisme. Je crois que face à l'occupation, le monde a assisté à l'une des plus longues et plus opiniâtres résistances populaires. La souveraineté qui était dans l'État algérien n'a jamais été cédée à l'État français. Il n'y a eu qu'un instrument militaire, n'est-ce pas? C'est la reddition d'Abdelkader. Mais la souveraineté qui était dans l'État algérien est passée au peuple algérien. Et chaque fois que le peuple algérien, après 1945, a eu la possibilité de s'exprimer démocratiquement et s'est prononcé pour l'indépendance. Pierre Lafond, vous aviez dit tout à l'heure que vous regrettez, vous, les occasions manquées? Non. Je voudrais répondre à ce que vient de dire Hit Ahmed. Depuis la révolte de Mokrani en 1871 jusqu'aux événements de 1945, il s'est passé près de 80 ans dans lesquels il n'y a eu absolument aucune révolte. Par conséquent, je ne pense pas que les gens aient été si excités que ça par l'indépendance. Et d'autre part, les faits eux-mêmes prouvent qu'il y avait une infime minorité de gens courageux, je le reconnais, qui ont pris part à la révolte, car prenons les événements en Hongrie et en Tchécoslovaquie. Combien de temps a-t-il fallu pour que le peuple entier se soulève contre les Russes? Il a fallu 24 heures. Pour que le peuple musulman se soulève contre la France, il a fallu 7 ans et 4 livres pour que M. Courrier les explique. Alors il faut croire qu'il y avait quand même une immense majorité de gens qui n'étaient pas si malheureux que ça et qui ne voulaient pas à tout prix l'indépendance. L'indépendance est arrivée comment? Elle est arrivée parce qu'il y a eu d'abord la répression. Et la répression crée la haine. Et il y a eu, du côté du FLN, ils ont assassiné plus de musulmans que ce qu'ils ont assassiné d'Européens. Dans les 18 premiers mois, il y a eu 6000 musulmans qui ont été tués et recensés, c'est-à-dire infiniment plus, pour 1000 Européens. Par conséquent, il y a eu la peur d'un côté, et je le comprends parfaitement, et d'autre part, il y a eu, souvent, du côté français, des répressions brutales qui ont fait que, petit à petit, les gens ont basculé. Mais au départ, il y avait, je crois, d'après tous les livres que j'ai pu lire, et de livres écrits par des musulmans, il y avait à peu près 1800 personnes qui faisaient partie de ces mouvements. 1800 personnes sur 9 millions, ça fait 1 pour 10 000 habitants. Que demain il y ait une révolution en France, il y aura plus de 1 pour 10 000 Français qui se pactisera avec cette révolution. Et je pense que ce que dit M. Lafond est tellement vrai que prenez 1er novembre 54, 20 août 1955, ça fait à peine 8 mois. À ce moment-là, le FLN du Constantinois est vraiment à bout de souffle. Ça ne marche pas avec la population, ça ne marche avec personne. Vous êtes d'accord? Et Ziroud Youssef et Ben Tobal vont lancer la population contre les Européens d'Algérie. Et là, il va y avoir une telle répression. Alors, ce sera horrible, bien sûr. Il y aura les massacres de Philippeville, de Constantine et surtout de El Alia et Aïn Abid. Et là, il va y avoir une répression faite par des Européens fous de douleur devant leurs frères, leurs familles qui ont été égorgés, parce que là, il y a eu 72 morts, et vraiment dans des conditions absolument atroces. Mais la répression sera telle que, d'un seul coup, toute la population du Constantinois basculera du côté du FLN jusqu'en 1962. M. Hit Ahmed n'est pas d'accord. Moi, je suis choqué par le fait que l'on en est encore aux images caricaturales des révolutions. N'est-ce pas? Une minorité qui arrive à imposer sa loi à une majorité. Vous ignorez une chose. Dans toutes les révolutions. Vous ignorez une chose, c'est depuis 1945 jusqu'à 1954, je dirais de 1944 à 1954, cette décade, le peuple algérien s'est prononcé massivement pour les mouvements nationalistes. On a eu recours à la répression en Kabylie, une répression absolument
impitoyables, les tabors, les troupes coloniales, et puis les grandes expéditions punitives à Sidi Ali Bounab en Kabylie, puis dans les Aurès. Et pourquoi a-t-on rappelé le gouverneur général Châtaigniaud après le vote du statut de l'Algérie pour faire venir Nejlène et bloquer le processus pacifique? Monsieur Itarmel. Ce que vous ignorez, c'est le fait, n'est-ce pas, que les Algériens n'aient pas pu s'exprimer librement et d'une façon pacifique. C'est ce blocage qui a fait que le peuple n'a eu d'autre recours dans l'action directe. Je n'ai pas dit que tous les musulmans étaient favorables au maintien par ailleurs, de la colonisation. Il faut que je vous rappelle que la répression de l'insurrection de 71 en Kabylie a été très dure. Ça, c'est la vérité. Elle a été très dure. Et il y a eu une insurrection à Miliana. Vous qui êtes un bon historien, qui volontiers mettez l'objectivité en doute de M. André Julien. Il y a eu une tentative d'insurrection dans les Aurès en 1916. Il nous faudrait beaucoup de temps, bien sûr, pour parler de toute l'histoire de la guerre d'Algérie. C'est le problème de la mobilisation des masses rurales. Et ces masses rurales n'ont pu être mobilisées que parce qu'elles ont été broyées par le système économique. Elles ont été marginalisées. Je voudrais que Pierre Lafond nous dise un mot de ces fameuses occasions manquées. Très rapidement. Oui, juste un mot. Tous les historiens disent si on avait fait ci, si on avait fait ça, tout le reste aurait été changé. Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il fallait modifier des choses. Par conséquent, ce que je vais vous dire, c'est pas pour le fait qu'on ne devait rien faire. Mais si on avait été les colonisateurs les plus merveilleux que la Terre existe, Aït Ahmed, est-ce que la vague qui soulève l'islam à l'heure actuelle se serait arrêtée aux portes de l'Algérie en disant cela, on ne va pas les toucher, ce sont des bons colonisateurs? Est-ce que vous le pensez réellement, ça? Écoutez, la décolonisation est un phénomène inéluctable. Maintenant qu'après l'indépendance, n'est-ce pas, les choses ne vont pas comme nous le désirons. Preuve, c'est que je suis en exil. Mais nous faisons notre histoire. Nous, ce que nous souhaitons, c'est précisément faire l'économie d'avatars et de mésaventures en tirant profit des expériences d'autrui. Un dernier mot à Aït Ahmed, parce que nous allons être coupés par l'émission régionale. Vous avez été un opposant au président Boumediene. Est-ce que vous serez aussi un opposant au président Chedli? Écoutez, je n'ai jamais été un opposant systématique. C'est pas, je suis opposant à la dictature. Je suis pour la démocratisation. Je n'ai jamais, notre mouvement n'a jamais cessé de lutter pour les droits de l'homme. Civils, politiques, économiques et sociaux qui sont pour nous un tout indivisible. Messieurs, merci Aït Ahmed, Pierre Lafond et Yves Courrière d'avoir participé à cette émission autour de Raymond Tortora. Prochain journal.